Aldin Navido m'a partagé. Dura, dura, respect à toi, mon dura à moi. Donc, je commence par ma vidéo d'hier qui a disparu. Voilà, la vidéo que j'ai faite hier a disparu. Je sais pas. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, la vidéo quand même a disparu. Vous savez, la vidéo qui est venue démentir, qui est venue dire que Sadiba ne disait pas vrai. Voilà, il le disait pour calmer le jeu. La vidéo a disparu. On envoie les frères Aruna. Diaram, on envoie les frères. Donc, c'est pas grave. L'essentiel, les gens ont compris. Mais si la vidéo a disparu, comme disait Thierno Mamadou, que si la vidéo a disparu, c'est parce que c'est vrai. Vous savez, j'ai fait la vidéo. Vous avez écouté la gendarme. Et vous avez, ce n'est pas de moi, hein, vous avez écouté. Donc la vidéo est venue démentir, est venue montrer que le monsieur a été contredit. Ils ont poussé, ils ont demandé au monsieur de parler pour calmer les choses, calmer les esprits. Donc c'est pas grave. L'essentiel, vous avez compris. L'essentiel, c'est que je voulais dire, je l'ai dit. En ce qui concerne l'itinéraire, d'abord je vais vous montrer si j'ai les photos. Aucun maire, parce que le premier maire dans ce Conakry-là, le premier maire, dès après les manifestations, ou bien avant les manifestations, lorsqu'il est invité, il vient nous dire qu'il n'a pas reçu des lettres. Il n'a pas reçu une lettre pour l'autorisation des manifestations. Nous avons les lettres qui indiquent, c'est-à-dire ce sont des boîtes de réception, c'est-à-dire la signature des responsables communaux qui ont apposé les signatures pour dire qu'ils ont reçu les mémos de la manifestation. Personne ne viendra nous dire, nous connaissons le maire de Matoto, le maire où on s'est battu bec et ongle pour le mettre là-bas, et aujourd'hui qui s'est retourné contre nous. Mais ça, c'est la politique. Ibrahim Bakombat, moi j'apprécie ça. Voilà, moi j'apprécie ça, mon grand frère, mon champion chèque, le seul blanc depuis Japon. Moi je l'apprécie, je le dis. Sincèrement, quand quelqu'un est hypocrite, il faut montrer ton comportement hypocrite. Si c'est un caractère, si c'est un comportement, c'est normal. Mais ce que les autres ne veulent pas, dans ce qu'eux, ils sont dedans là, ils ne veulent pas que tu restes dans ce que toi, tu es. Quand ils rentrent dans une situation là, ils veulent forcément t'envoyer dans cette situation. C'est ce qui est entre vous et nous. C'est là le problème. C'est là le problème. Merci beaucoup, mon frère, cher camarade. Merci pour les étoiles. C'est ça votre problème. Je le dis souvent, quand dès que tu le dis, ah, Benito est devenu quelqu'un de l'IFDG. Non, il ne s'agit pas d'être de l'IFDG. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un de l'IFDG. Être quelqu'un de l'IFDG. Est-ce que vous comprenez? Le problème, l'IFDG là, ils sont dans leur IFDG, ils aiment ces loups. Même si tu montes, tu descends, tu plats tous les arguments du monde là, ils sont avec ces loups. Il n'y a pas de défection. Qui me dit merci. Il n'y a pas de défection, il n'y a pas de lâcheté. Le seul lâche qui était dedans là, c'est lui qui s'est retrouvé en tant que ministre et il n'a rien gagné dedans. Je peux dire qu'il n'a rien gagné. Maintenant, nous, qui aimons dire, c'est-à-dire c'est nous là, dès que tu entends, ah, en toi, ma frère, Wati Mengbeleman, Dunia Braté, Dunia Braketé, ah, est-ce que vous voulez Blala Daro Kadom, qui ici en Alpha Condé, qui est en Alpha Condé, qui ici en RPG, Kakete, est-ce que c'est ce qu'on mange? Maintenant, quand tu refuses de le suivre là, allez-y voir. Aujourd'hui, heureusement pour nous, ils sont dans leur camp là, dans l'affaire de Doumbia. Vous avez vu Doumbia? Lui n'a pas de souci. Il vient de gagner parce qu'il avait peur. Il avait tellement peur de Sadiba. Il avait tellement peur. Vraiment, comme tous ces féticheurs l'ont dit, c'est-à-dire lui-même, ces féticheurs. Je ne parle pas des féticheurs qui parlent par-ci, par-là. Mais les propres féticheurs de Doumbia l'ont dit que c'est quelqu'un qui va le prendre. Vous savez, le malfaiteur, celui qui a fait le féticisme ou qui est passé par cette méthode-là pour obtenir le pouvoir. Si on vient lui dire que c'est comme ça, ils vont te prendre. La façon dont toi, tu as utilisé le médicament, tu as utilisé les gens pour prendre ton pouvoir, et qu'on vient te dire, c'est comme ça, ils vont faire aussi pour te prendre, tu ne peux pas dormir, tu es prêt à tout
pour conserver ce pouvoir-là. C'est ce qui se passe actuellement en Guinée. Il est prêt à tout pour conserver le pouvoir. Mais quel pouvoir il conserve? Ce n'est pas un pouvoir qui a été donné par le peuple. À l'après-midi, je vais vous montrer. Le Mali est déjà dans la fin de la transition. Le Mali a sorti le chronogramme. Le Mali a sorti le référendum. Voilà. Le Mali a sorti. Allez-y voir. Je vais vous montrer le programme du Mali. Le référendum. En tout cas, un programme jusqu'aux élections. Parce que les élections, c'est en 2024 au Mali. Donc, vous allez voir les Maliens. Malgré qu'il y a la guerre, malgré que les terroristes les tuent, malgré qu'il y a tout, malgré qu'ils sont, c'est-à-dire, ils sont dos au mur, les terroristes tuent tous les jours au Mali, tuent les militaires maliens. Mais les gens-là ont eu la capacité de faire la différence entre le retour à l'ordre constitutionnel, parce qu'ils savent que ce n'est pas un pouvoir élu par le peuple, et la lutte contre le terrorisme. Ils sont très objectifs. Moi, je vous ai dit que c'est un problème d'objectif. C'est un problème d'objectif. Mais chez nous, les gens applaudissent. Regardez le monsieur. Moi, je ne le condamne pas. Chris Mann, bonjour, comment vas-tu? Monsieur Soumago. Moi, je ne le condamne pas. Regardez, la dernière fois, il a insulté le peuple de Guinée en jouant. C'est le lendemain des manifestations. Les enfants des gens sont morts. Il est venu jouer au ballon avec ses bérets rouges en tenue militaire. C'était une manière de se moquer du peuple. Regardez hier, malgré la souffrance, les gens n'ont rien. Quand on va faire un peu de sport, nous allons faire un peu de sport. Muntaga, on va, frère. On va faire un peu de sport. Vous avez vu? Bon, moi je ne condamne pas ça. Mais regardez en ce moment-là, lorsque lui est en train de se balader, de faire de n'importe quoi, il n'a pas de souci. Hassimi Goïta a demandé au Premier ministre d'accélérer le retour à l'ordre constitutionnel. Au même moment, au Burkina, j'ai dit bien au Burkina Faso, le grand Burkina, Ibrahima Traoré, depuis le départ, la première rencontre avec le médiateur de la CEDEAO, ce dernier avait appelé tous les partis politiques. Personne n'est en prison, tous les partis politiques. Il les a fait asseoir. Il dit, voilà le médiateur. Discutez, donnez. Vous-même en personne, donnez le programme au médiateur. Depuis que le médiateur a quitté le Burkina, il n'est plus revenu. C'est là-bas, ils ont calendrier. Ils ont calé. Tout le calendrier a été ficelé devant le médiateur. Depuis ce jour-là. Mais regardez en République de Guinée. Tous les jours, au lieu de faire face à la communauté internationale pour régler le problème, sortir de ça, c'est... Si c'est pas Ouyasana qui vient dire, nous venons de sortir d'un dialogue inclusif. Quand vous sortez d'un dialogue inclusif, pourquoi vous programmez un autre dialogue inclusif? Si vous avez pu obtenir un accord avec la CEDEAO et autres, pourquoi alors vous faites participer les sages pour intervenir? S'il y a eu un dialogue, parce que c'est vous qui avez dit qu'il y a eu un dialogue inclusif, maintes fois. Alors pourquoi il y a une table de négociations par rapport au préalable et autres. Donc, moi, attendez, si j'ai l'itinéraire, je vais vous montrer l'itinéraire. Je vais vous montrer que nous avons donné les documents. Les documents, les lettres ont été déposées. Si j'ai les... Voilà les lettres. Parce que c'est un problème de mensonge. Le maire de Matoto viendra nous dire qu'il n'a pas reçu une lettre qui prouve qu'ils sont informés par rapport à la manifestation. Merci beaucoup, Ibrahima. Je vais vous faire passer les lettres. Hein. Excusez-moi. Voilà les lettres. Vous avez vu? Regardez. Hein. Ça, c'est Matam. Regardez bien. Hein. Décharge commune de Matam. Regardez. Décharge commune de Matam. C'est déposé. Mobile Diawara, comment vas-tu, mon frère de sang? Mon beau, en même temps, mon beau. Regardez, décharge commune de Kaloum. Regardez très bien, c'est écrit décharge, regardez, décharge. Regardez, décharge commune de Kaloum. Voilà, il y a eu dépôt, c'est signé. Décharge commune de Ratoma. Décharge commune de Ratoma, c'est déposé.
Regardez, deux charges, commune de Dixine. C'est déposé, hein? Deux charges, commune de Dixine. Nous avons déposé. C'est le gueulard, le menteur, le maire de Matoto. Voilà pour le maire de... Je vous montre pour Matoto là, parce que lui, il est spécial. Regardez-le, maire de Matoto. Regardez Matoto, commune de Matoto. Regardez très bien. Deux charges, commune de Matoto. Deux charges. Maintenant, voilà ce qui a signé à Matoto. Nous allons lire Maître Souleymane et Djonga Siba, lycée de justice. De voilà. Il n'y a pas de problème. Nous avons déposé. Tout est déposé. Voilà. Tout est déposé. Personne ne viendra nous dire qu'ils n'ont pas reçu une lettre qui prouve qu'ils sont autorisés à manifester. Nous avons... Ce n'est pas obligatoire que vous validez et que vous acceptez. Mais la loi dit, la loi était très claire. Vous déposez un avis. Nous avons déposé, c'est terminé. Accepter ou pas, ce n'est pas notre problème. Parce que nous savons très bien que vous roulez avec le CNRG. Ce n'est pas important. Ça, c'est un. Permettez-moi. Voilà. Quand vous n'avez pas de travail. Là, je vous montre, hein, c'est un peu comme ça, là. Donc, oh, voilà. Regardez les femmes fatiguées comme ça, là. Regardez-les, le sport est très bon. Ça prouve que le président de la transition aime la Guinée. Quand le président de la transition joue avec vos baskets, là, c'est ce qui veut dire qu'il aime la Guinée, quoi. Voilà, je montre tout ça, hein. Voilà. On dit non, il aime la Guinée. Ouais, il aime la Guinée. Regardez. Ouais, on dit qu'il aime la Guinée. C'est ce que la dame la disait, Prissimo. Que ça prouve que d'abord, il ne sait pas. Regarde tellement. Il ne connaît pas le basket. Il a duré en Europe, il ne sait pas jouer au basket. Voilà. Regardez, hein, voilà. Le pays n'a pas de soucis. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On n'a pas de soucis. Voilà. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Le pays, tout va bien en Guinée. Regardez, il n'y a pas de souci. Ah, le pays. Bravo. Il n'y a pas de problème en Guinée. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Voilà. Maintenant, nous allons prendre le second point pour terminer. Le sacrifice, c'est-à-dire Doumbouyaya avec le taureau à trois cornes. C'est-à-dire, les gens vont dire qu'il n'y a pas de taureau à trois cornes. Qu'est-ce que c'est? Ils vont dire qu'il n'y a pas de taureau à trois cornes. Regardez le taureau en question. Regardez le taureau en question. Moi, je ne connais pas le projet. Hein? Parce que si tu ne montres pas l'intérieur du palais, ils vont dire non, que c'est un montage. Est-ce que vous comprenez? Oui, Konaté, tu peux m'insulter, mon frère. Voilà, ça aussi, ça. Je ne suis pas surpris. Quand un membre du CNRD ou bien des enfants des ministres ou des frères des ministres insultent là, moi ça me dit rien. Vous savez pourquoi vous insultez les gens? Quand vous venez sur les pages, pourquoi vous les insultez? C'est normal que vous insultez les communicants, les activistes et les blogueurs. Moi je ne suis pas un blogueur parce que les gens aussi ne connaissent pas la différence entre le blogueur, l'activiste, le lanceur d'alerte et autres là. Moi je ne vous apprendrai pas. C'est pas Benito qui va vous apprendre cela. Le second point, pourquoi vous insultez, c'est normal. Parce que vous devez protéger Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous comprenez? Vous allez aider Mamadi Doumbouya. Parce que si vous ne l'aidez pas, si Mamadi Doumbouya tombe, vos frères et sœurs, médiocres, incompétents, des gens qui n'ont rien fait pour ce pays-là, des ministres vauriens, comme la ministre Aminata Kaba, qui pense qu'elle a raison. Pour elle, elle a raison, hein. Elle a raison. Toi, tu es parti. Mais, nous allons faire un direct entre 12, 14 milliards moins 2 milliards. Parce que le gars dit qu'il a reçu 2 milliards. Ce sont vos parents, ça. C'est à quoi ça vous venez insulter? Quand vous logez dans les cours là-bas, vous ne travaillez pas. Les ministres là, vous donnent 10 000, 15 000. Surveillez les réseaux sociaux. Aïe, allez intervenir. C'est normal que vous nous insultez. C'est normal que vous nous insultez. C'est normal. Parce que si le gars là tombe, parce que c'est ce qui est arrivé à la Guinée là. Wallah, billette, la Guinée était mignon. Mignon, si t'es que la Guinée, haïban. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si tu attaques la Guinée, ha, il ban. Ha, la Guinée, il ban. Attaquez. Même qu'à la Guinée, on n'aura plus des actes comme ça, des choses comme ça dans ce pays-là. Ça, c'est terminé.
Jamais dans la vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est normal que vous nous insultez. Nous, nous avons vu des gens qui ont attaqué Alpha Condé, qui ont dénoncé Alpha Condé. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit. Aujourd'hui, c'est eux qui sont aujourd'hui avec Mauri Doumbouya. Moi, je ne peux pas dire que je suis démocrate. Je suis démocrate et je viens soutenir quelqu'un qui a fait un coup d'État. Où est la démocratie alors? Où est le démocrate? Parce que un coup d'État n'est pas une démocratie. Voilà. Donc, vous êtes libre d'insulter. Alice Nenikela. Parce que si ce n'est pas un Konaté, c'est un Cissé, un Traoré, les parents des ministres ou des secrétaires généraux ou bien des directeurs. Alice Nenikela, vous êtes libre. Mais tout qu'on fait entre vous et moi, je ne sais pas qui perd son temps sur la page de l'autre. Vous comprenez? Voilà. Regardez le taureau. Et quand Nima ira, Aldafo Kono, mais regardez, voilà. Donc moi, je ne connais pas le projet. Je ne connais pas le projet, voilà. Je sais qui a été, voilà, voilà son sacrifice, le taureau à trois cornes. Maintenant, c'est ce qui a été tué comme sacrifice. Maintenant, Farah. Voilà, regardez très bien, je ne suis pas en train d'inventer. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire par là, que aux Guinéens de se préparer par rapport à cette manifestation. Ce qui me fait un peu mal là, c'est le fait que nous n'avons pas expliqué le contenu de la manifestation en langue nationale. Il faut que nous apprenions à expliquer ça aussi dans toutes les langues. Salut, salut, comment vas-tu? Parce que nous devons accepter, vous comprenez, nous devons accepter de sortir le 10. Heureusement, même aujourd'hui, il y a plus de mécontents que de joie, que de personnes joyeuses. Il n'y en a pas, ça n'existe plus. Voilà, aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Il n'y a pas un qui n'est pas fatigué aujourd'hui. Donc, tous les jours, nous vous montrons des exemples. Il n'y a pas un jour que nous ne venons pas vous montrer des exemples. Un jour, ôté, l'exemple frappa, le dernier exemple. Le gars, ils ont parlé de 14 milliards. Le gars est venu dire hier là, qu'il a reçu que 2 milliards. Où sont passés les 12 milliards? Est-ce que vous connaissez le montant à 12 milliards? 12 milliards, ça fait combien de dollars? Une seule personne, une dame, qui n'était rien. Aminata Kaba est venue passer. Ça dit, je ne sais pas. Elle, tout le sabbat, elle était aux États-Unis, c'est son copain ici, pas marié, hein, mais qui voyage, qui programme des voyages. Où sont passés les 12 milliards? C'est un exemple. Alkanka Olon, Wodi Owanimi, Demoussonim dit si tu as calculé bon, à bas calculé. Et le gouvernement, même, a le projet de monter là, il va projet monter. Moi, de le oulat et tout, un directeur national, ou bien un secrétaire, ou bien un ministre, il monte un projet qu'au bureau renouvelé. Le bureau est là, les carreaux, fauteuils, tout est là. Vous n'avez pas besoin de renouveler, hein. Mais eux là, pour pouvoir voler là, qu'est-ce qu'ils font? A dit projet de créer, qu'a mis le peinturé, qu'a carreau là. Carreau là, n'est carreau tianté, carreau là, n'est qu'a carreau ben là. Et puis, il va carreau là, qu'a tapis là, carreau quand. Fenêtre tianté. Il n'y a rien. A dit, non, qu'a fenêtre m'a fallu. De changer la fenêtre. Ça dit, tu es assis. Tout est normal. Mais toi, tu veux changer parce que tu es ministre. Voilà toutes les dépenses inutiles là. Et voilà, Diame, c'est comme ça, il crée les dépenses pour pouvoir voler. Sinon, quand vous regardez chaque cela, merci beaucoup, frère. Quand vous regardez l'ancien plateau de la télévision, là, est-ce que quelqu'un avait besoin de venir mettre 14 milliards pour un autre plateau? 14 milliards pour un autre plateau, est-ce que quelqu'un avait besoin de le faire? Non? Malheureusement, nous avons entendu le monsieur dire que ce n'est pas 14 milliards, il a reçu 2 milliards. Alors, le peuple doit demander où est passé les 12 milliards, parce que c'est l'argent de la Guinée. Regardez les hôtels, regardez les étages. Babila l'a dit la dernière fois, tous les étages qui sortent du sol là, et vers l'équipe et autres là, c'est pour qui? Ce n'est pas pour un commerçant, ni pour toi, ni un enseignant, c'est pour eux.
Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, je connais la personne là. Vous comprenez? Donc, c'est ce que nous voulons vous dire. Donc, le 10 là, vous devez sortir. Vous devez sortir, dire oui, non, non, non. C'est ce que nous demandons. Voilà. Ce sont des exemples. Voilà. Ce sont des exemples. C'est que vous ne faites pas le combat pour quelqu'un. Hein. Ce n'est pas pour quelqu'un. Voilà. Hein, regardez. Est-ce que ce que vous allez, ce qui est arrivé à la Guinée là, c'est arrivé à qui? C'est arrivé à moi? C'est arrivé à toi? C'est arrivé au peuple? Aujourd'hui, c'est la première fois que les gens fêtent en préparant du lafidi en Guinée. Les gens ont fait le ramadan 30 jours, 29 jours du moins, mais ils n'ont même pas eu un kilo. Ah, est-ce que tu vas aller acheter un kilo de viande? Pourquoi? Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de viande, il n'y a rien. Regardez-vous, les autres sont en train de faire du business. Nous avons fait le tableau des salaires. Comment un simple ministre peut être payé à 59 millions? 59 millions, c'est le salaire d'un enseignant, un enseignant pour 5 ans. Un enseignant pour 5 ans. 59 millions. Ce qu'un ministre prend par mois là. C'est ce qu'un prend par mois là. C'est ce qu'un enseignant prendra pour 5 ans. Quelqu'un va me dire là-bas, là, c'est un ministre. S'il vous plaît. Alors pourquoi la France ne paie pas? Si on vous dit le salaire de Joe Biden, vous allez dire, mais pourquoi il est devenu président? Est-ce que si on vous dit le salaire de Joe Biden, il est le mafel là, il est en page quand en train de me regarder petit comment. C'est toi qui es en train de me regarder. Parce que Balat, il est là quoi. Hein? Quand on vous dit le salaire de Joe Biden, mais vous allez dire pourquoi il est devenu président? Emmanuel Macron, quand on vous dit son salaire là, vous voulez même pourquoi il est devenu président? Parce qu'il n'y a rien. Le salaire, c'est combien? Mais en Guinée, les gens prennent 3 fois, 4 fois le salaire d'un président qui est à l'Occident. Donc, Aldi Bo, vous devez sortir le 10 novembre. Parce que vous, tous ceux qui les soutiennent aujourd'hui, les petites personnes qui sortent sur nos pages là, en train de nous insulter là, quand vous regardez leurs liens familiaux, si ce n'est pas le cousin, il est en train de manger sur le ministre. Est-ce que vous comprenez? Si ce n'est pas le cousin, c'est le frère d'un secrétaire général. Si ce n'est pas la petite sœur ou le petit frère d'un ministre, c'est eux qui insultent partout sur les pages. Ils ont raison parce que s'ils ne défendent pas là. Parce que si Doumbia chute là, si Doumbia quitte là, c'est que beaucoup iront en prison. Ils savent, leur vie là, leur vie est soudée à la vie de Doumbia. Voilà, donc n'oubliez pas le 10. Maintenant, je vais terminer par l'hommage qu'a rendu, voilà, l'hommage que, voilà, mon ami Kounduno, il est devenu, voilà, mon ami Kounduno, c'est mon ami, le voilà. Donc, voilà, ce que je vais dire ça rapidement. Merci beaucoup, ma grande amour. Je salue maman, voilà. Je vais dire ça rapidement. Comment je vois Kounduno, le régulateur, dit la vérité sur mon champion, le professeur Fakonde. J'aime ça. Voilà ce que Kounduno a dit. Rapidement, excusez-moi. Ma vidéo d'hier là a été attaquée. Ma vidéo d'hier là. Donc la vidéo a disparu parce que, vous savez, ils n'ont pas aimé la vidéo. Parce que la vidéo est venue démentir, venue dire que Sadiba, c'est normal qu'il vienne le dire. Mais Sadiba sait très bien que c'est pas vrai. Voilà, moi je l'ai dit, hein, je le mets à défi. Sadiba n'a qu'à prendre la photo, ils n'ont qu'à prendre la RTG, l'envoyer dans son bureau. Si le bureau n'est pas dans le camp Alvaya, qu'on vient me le dire. Voilà, s'il n'est pas logé là-bas, je ne parle pas de sa famille, hein, je parle de lui. Non, il n'a qu'à prendre la télévision nationale pour aller filmer là, son bureau, si ce n'est pas au camp Alvaya, Andou Koumavre Foro. Merci mon frère Kounduno, je lis, hein. Le 5 septembre 2021 et jour suivant, Mamadi Doumbouya a passé tout son temps à brocarder le régime du monsieur Alpha Condé.
Il dénonçait la violation des droits de l'homme, le déficit de la démocratie, la corruption, le détournement des deniers publics, etc. Quel est le Guinéen qui n'avait pas cru qu'avec son avènement à la tête du pays, il aurait fondamentalement changé les pratiques qu'il a dénoncées publiquement? Mais 18 mois après, et après l'épreuve des faits, le remède s'est révélé en désenchantement. La corruption et les détournements des deniers publics sont plus que jamais présents. Et se sont davantage accentués. Merci. Le régime de Mamadi Doumbouya repose en réalité sur le clientélisme, le régionalisme, le favoritisme et le copinage. Et Allah, mettez les cœurs. Merci Kounouro. Merci Kounouro. C'est la vérité. Écoutez le passage là. Le régime de Mamadi Doumbouya repose en réalité sur le clientélisme, le régionalisme, le favoritisme et le copinage. Le copinage. Le copinage. Voilà. Les ressources minières du pays sont bradées à ses nouveaux amis indiens. C'est les Indiens aujourd'hui qui sont en train de prendre tout en Guinée, les Indiens. Je dis les Indiens sont des malhonnêtes, les Indiens. Voilà. Les ressources minières du pays sont bradées à ce nouveau ami indien et autres hommes d'affaires locaux qui ont transformé la Guinée en une vaste société commerciale dont ils sont les seuls actionnaires avec quelques ministres et cadres véreux qui sont leurs complices. Pour illustrer cette mainmise d'hommes d'affaires voyous sur toutes les ressources minières du pays, Mamadi Doumbouya ne se gêne d'octroyer un permis minier pour l'exploitation de la mine de fer de Jogota à un groupe indien, Jindal Group. Cette attribution n'a été soumise à aucun appel d'offres. Puis, il faut également rappeler que ce groupe est derrière la mise en disposition frauduleuse de l'avion actuel utilisé par la junte militaire en Guinée. Mais aujourd'hui, les mines et les BTP, bâtiments des travaux publics, sont devenus la propriété exclusive de la pègre nationale et internationale. Il faut souligner aussi les acquisitions immobilières par certains proches et collaborateurs du légionnaire Mamadi Doumbouya, des officiers supérieurs de l'armée, principalement le général Abakassidi Camara Idi Amin, du gouvernement, sans oublier des directeurs des régies financières, tant en Guinée que dans la sous-région et en Europe. En 18 mois, beaucoup ont profité de leur position dominante pour envoyer leurs enfants et épouses au Canada, en France et en Allemagne, aux frais des contribuables guinéens. Dans la Guinée de Mamadi Doumbouya, les scandales de détournement de fonds et de corruption se succèdent les uns après les autres. Mais par calcul politicien, Doumbouya fait obstruction à toute forme d'investigation et préfère étouffer ces scandales. C'est dans le seul but de ne pas mécontenter ce qu'il considère comme des éléments clés de son pouvoir. Car en fin de compte, ce qui compte plus que tout pour lui, c'est la conservation du pouvoir. Je me limite là, merci beaucoup. C'est-à-dire, vraiment merci. C'est pourquoi les observateurs disent que son régime renferme en lui tous les défauts des régimes précédents. Écoutez très bien, c'est pourquoi les observateurs disent que son régime renferme en lui tous les défauts des régimes précédents qu'il ne cesse de pourfendre, non pas tort. On ne peut terminer ce tableau sombre du régime de Mamadi Doumbouya sans mettre l'accent sur le trafic international de drogue, dont les principaux acteurs sont les plus hautes sphères de son administration, Bala Samoura et Idi Amin. Aujourd'hui, les Guinéens, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont les acteurs essentiels à la descente en enfer. C'est bon. Bravo Kounouro, merci beaucoup. Voilà. Albara Meka, voilà, c'est un membre de la société civile. Il a quand même voulu tout y aller. Donc, portez-vous très bien. Bonne journée à tout le monde. Bon week-end. Nous allons revenir tout de suite là-dessus.